Signora Presidente, Signor Presidente, cari eletti, cari tutti, prima vorrei, in questi tempi di dolio, di tristezza, avere una pinzata per Ivan Colonna, saluta a sua memoria, e avere una pinzata e un sostegno per la sua famiglia, i suoi cari e i suoi amici. Noi altri giovani, nati a fine di XX secolo, o al principio di XX secolo, non abbiamo mica conosciuto personalmente a Ivan Colonna. Non abbiamo mica militato a fianco a Edo, non abbiamo mica conosciuto, non abbiamo mica scontrato, ma, cioè dirla, noi altri giovani siamo cresciuti, siamo ingrandati, siamo stati nutriti dai tre processi di Ivan Colonna, da storia e di contesto politico in giro al comando Dito Erignac e al contesto degli anni 2000 in Corsica cui mossi di sostegno, di solidarietà massicci del popolo corso in Corsica e al di là. Noi altri giovani, e a titolo personale, io non ero mica nato quando Ivan Colonna ha deciso di mettersi in ritiro di maggio di 1999. Avevo 4 anni, giusto 4 anni, quando Ivan Colonna è stato incarcerato in Francia, arrestato dalla polizia francese, è incarcerato lontano di sua terra, di suoi enti, la sua famiglia, i suoi e il suo popolo. Eppure, noi altri giovani nati a Seppiga, noi altri giovani che ci siamo arriti, suitati dal popolo corso sulle ultime settimane in una diversità, non l'abbiamo conosciuto personalmente, ma abbiamo sempre a mente questa immagine, si viuri di l'intervista che aveva dato Ivan Colonna ai giornalisti francesi, a televisione, non so di mettersi in ritiro di maggio di 1999. Fuori di qualche archivio che hanno circolato questi pochi giorni, in dei quali si può vedere pastori di Gargesi giovani, esprimersi per esempio in una situazione di dominazione coloniale del popolo corso, già solota per riconoscenza di suoi diritti nazionali, non può l'affare quando chi ha CFR aveva voluto impedisce un concerto in Cargesi, fino a oggi non conosciamo mica si viuri. E poi, come voi tutti, j'imagine, j'ai pris connaissance ce matin de la vidéo qui a été prise à la prison d'Arles il y a quelques mois, à la fin de l'année dernière, vidéo dans laquelle si può vedere Ivan Colonna giocando a scacchi e scambia con un codetinuto non ta a situazione politica di Agorsiga. Ce que je retiens de cette vidéo, c'est bien sûr l'homme debout, un homme arrito, un homme déterminé, un homme vieux, nonobstant les dizaines d'années, plus de 22 années, séparant cette image de l'image que l'on a tous connue en 1999, nonobstant les années de prison, de souffrance, de douleur, de drame. Et je pense qu'il faut retenir à la fois avec des militanti, avec des patriotica, di Ugo Pastori, di Gargesi, ma di noi a sua speranza, l'espoir e l'optimisme, on le ressent dans ses propos, l'espoir e l'optimisme de voir ce peuple reconnu dans ses droits, de voir ce combat pour lequel se sont levés depuis plus d'un demi-siècle maintenant des générations de femmes et d'hommes, de voir ce combat aboutir, et de voir ce pays s'émanciper et ce peuple reconnu et préservé.
malgré les inquiétudes qui peuvent être exprimées. Alors, c'è un affare di noi che è importante. Lorsqu'il évoque sa foi et sa croyance en un sursaut collectif du peuple corse, l'ironie de l'histoire, malheureusement, ne croyait pas si bien dire. Qualche mesi dopo, a partire dal 2 di marzo, abbiamo visto la capacità di reazione, di rivolta legittima di un nostro popolo e di nostre generazioni. Allora, s'en est suivi une mobilisation sans précédent, a tutti gli uedi, in paesi, in città, in pievi, gli uedi organizzati, in manifestazioni di dizaine di milioni di persone in corti, in Bastia, in Carugio, in Istretti. Une lame de fond, avec, monsieur le président exécutif, vous le rappeliez, la jeunesse en fer de lance, une révolte légitime qui vient parachever au moins 6 années, puisque c'est la période depuis laquelle les nationalistes sont aux responsabilités, de mépris du fait démocratique, de non-traitement de la question corse dans sa perspective historique, sa dimension symbolique et éminemment politique. Alors, est vrai, suite à cette mobilisation, notamment, l'État français semble avoir changé de braquet avec une volonté d'ouvrir un cycle de discussion et peut-être probablement demain de négociation, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qualifié à vocation historique. Oggi ci tocca a realizzare che noi siamo in una stonda decisiva per la vena di suo paese, di suo popolo, di gioventù, di generazioni d'oggi e di domani. L'ouverture de ce processus doit pouvoir, et c'est ce que l'on souhaite, entraîner la Corse sur un chemin qui soit irréversible et qui tourne définitivement, non pas par renoncement, mais par victoire, la page de 50 années de conflits, de tensions, de drames, le mot est souvent revenu, pour ouvrir une page d'espoir, de relations nouvelles entre la Corse et Paris, d'une situation politique nouvelle in Corsica. Et on a évoqué, outre la question des prisonniers politiques, outre justice et verità paivant, la question de l'évolution statutaire, notamment de l'autonomie. Je ne voudrais pas m'étaler sur la dimension technique juridique. Je crois que mon collègue et ami Romain Colonne, en sa qualité de président de la commission des compétences législatives et réglementaires, dira un mot à ce sujet. Mais l'autonomie, on n'est pas solo un concetto giuridico, on n'est pas solo un statuto. Et di nuovo, una maniera d'essa, a traduzione giuridica di ciò che noi siamo, un popolo, un paese e un strumento a lui do statutario da risponda di sicuro ai pauri e ai primori di un popolo corso di aso gioventù, le recul de la langue, l'érosion de l'identité culturelle, les phénomènes de dépossession foncière et immobilière, répondre également aux problèmes et aux maux quotidiens, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès à la terre. Et bien sûr, répondre aux aspirations légitimes et validées par le peuple corse, à savoir notamment la reconnaissance, la sauvegarde et la pérennité de ce peuple sur sa terre. Aujourd'hui, outre la question de l'autonomie, il va nous falloir nous battre, comme c'est le cas depuis au moins 50 ans dans la période contemporaine, pour que l'État reconnaisse, nous reconnaisse, pour ce que nous sommes. Venia di un popolo, un peuple, certes, un peuple petit par la taille, par le nombre, un peuple de Méditerranée occidentale, mais un peuple debout. Un popolo vivo, un popolo fiero, un popolo degno e un popolo arito. Un popolo coa sua lingua, a sua cultura, a sua storia, i suoi stragi, i suoi speranzi e i suoi progetti.
Un peuple historiquement épris de liberté, un peuple épris de démocratie et un peuple épris de justice. Un peuple qui n'entend en retour que du respect, de la justice et de la prise en compte du fait démocratique. Je pense que depuis l'ouverture du débat, oggi, hemm avuto una parola che è voltata spesso, c'est le mot drame, drame au pluriel. Et oggi ci tocca collettivamente, noi altri nazionalisti, in diversità di i componenti di un movimento nazionale, noi altri eletti di Gorsiga, al di là dei nazionalisti, ma a Gorsiga e il popolo gorso insieme, i forzi vivi, economici, sociali, culturali, ci tocca a riesce politicamente per definitivamente espérer tourner la page, et c'est ce que nous souhaitons collectivement, du conflit, des drames, des tragédies, pour que les générations d'aujourd'hui et de demain connaissent un avenir meilleur sur cette terre, terre sur laquelle le peuple corse pourra, nous l'espérons, maîtriser son destin. Alors, pas compli, a sapete quanto corso porta tanti speranze e tanti primori di uno sciogombato, qualche versi di canto al popolo corso, a strada di l'uomo, tu chi cerchi fortuna campando a straziera come un paese vivo che si batta e che spera.